Alpha Condé et son clan, Oma Mema, le Guinéen, vous nous écoutez pas. Chaque matin, midi, soir, on a perdu une légende. Une légende. Aujourd'hui, c'est le sacrifice de Navigator. Aujourd'hui, c'était le sacrifice de Navigator. Parce qu'ils ont fini de lire le Coran. Les gens sont en train de se disperser là-bas. On dirait que le BDGA, Bureau guinéen des droits auteurs, que ça n'existe pas dans notre pays. BGDA. C'est-à-dire, aucun membre du BDGA, à plus forte raison, aucun membre du ministère chargé de la culture guinéenne ou le gouvernement ou le chef du gouvernement lui-même en personne n'a pu dépêcher aucune, c'est-à-dire membre, pour dire délégation, pour aller assister au sacrifice de Navigator. Comme on vous dit, matin, midi, soir, les gens là ne nous aiment pas. Ils ne sont pas pour nous. Ils ne seront jamais pour nous. Le système qui est là en place, c'est un système de mensonges. C'est un système de profiteurs juste pour leur intérêt. Et aujourd'hui, leur président est là. Personne n'ose lui dire la vérité en face. Parce que quand tu lui dis la vérité, tout le monde a peur, quoi. Tu lui dis la vérité, on te met hors, dehors. Navigator Barafara, aujourd'hui. Attendez, ne vous pressez pas, vous allez intervenir. Inch'Allah, vous allez intervenir. Navigator Barafara. La mort de Navigator, un artiste guinéen qui a fait sortir des albums, malgré Afafeni Miyura, c'était un ghetto youth. Et je vais m'attaquer à certains artistes aussi dans ce live-là. Parce que, franchement, les artistes guinéens, ce n'est pas la peine. Ce que je vais vous dire dans ce live-là, c'est la réalité. Moi, je ne parle pas par mille chemins. J'ai traîné avec certains artistes et j'ai aidé beaucoup d'artistes. Wallah, je ne vais pas dire mon bienfait. Qu'Allah me récompense. Je le sais. Maintenant, il n'y a pas eu un membre du gouvernement, aucune délégation du ministère de la Culture. C'est les artistes qui sont partis. Et puis les artistes qui sont partis là, il y a certains parmi eux qui ne se parlent pas. Et après, il y a image tombée. Artiste n'est pas cigaré. Senda Falamadi, Navigator Rafaïri. Il y en a qui ne s'adressent pas la parole. Ils ne se parlent pas. Ils ne se parlent pas. Maintenant, mettons le côté du ministère de la Culture de côté. Eux, c'est des profiteurs. Ils ne cherchent que ça à s'enrichir, eux et leur famille. Prenons l'exemple aujourd'hui. Si je vous dis et que vous vérifiez que ce n'est pas vrai, wallahi billahi, dites-moi que tout ce que je dis, que ce n'est pas vrai. Tout à l'heure, il y a un groupe d'artistes guinéens qui sont partis au sacrifice de Navigator. Un groupe guinéen d'artistes. Parmi ce groupe-là, il y a Mousto Kamara, il y a Takana Zion, il y a Instinct Killers Fiskila, il y a qui encore? Il y a Fekan qui est parti en retard. Et il y a qui? Il y avait d'autres artistes, je ne peux pas citer tout le nom. Attendez, je vais faire sortir. Il y a d'autres artistes qui sont partis, mais dans le groupe qui, Levi Bobo Mounayam, parce que Levi Bobo nous moustomo wem, Levi Bobo Mounayam, Rala Vasga Vedetarne, Rafalo Birimbe. Et puis dans le groupe, Mousto a pris la parole. Il a fait les prêches, comme on le connaît. C'est un frère
qui connaît Dieu, c'est-à-dire qui prie, en tout cas ce qu'on voit. Maintenant, Mousso a pris la parole, voilà, Singleton Vanunayama. Mousso a pris la parole, Anna tout liba. Mousso to mere tout liba, Remeni. Maintenant, tout dernièrement là, il y a le groupe de Lévi Bobo qui est parti. Nga fala o be wotan la Guinée artisée. Kaomu la o boru tagi. Guinée fe ka baura girefa nu kobira nu aura succès. Wo faka mané. Navigator people na kan sotori. Navigator nyama na kan sotori. Vous pensez qu'il a eu ça comment? Vous pensez qu'il a eu ça parce que il a eu du succès? Je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité. Wallahi billahi tallahi. Si vous voyez que tout le pays s'est levé pour faire deuil national pour Navigator, Oyonga succès yanara. Parce qu'il était proche du peuple. Navigator, il était proche du peuple. Ghetto Ban Nara, Ghetto Youth Nara. Vous avez vu Navigator ici en train de souffrir. Vous ne l'avez pas aidé. Navigator est resté dans l'ombre pendant combien d'années? Après son succès de Ragatonse, à Togé. Araga ton sera. Atofa a succès soto. 2014-2015. Anara birimba plateau ma. Anunandi la bama kata kata mane. Aga non minide. Miriyoma Mali. Miriyoma Mali. Miriyoma Mali. Hang ayisuma soto reiki Jainess prod. Hang ayisuma soto Jainess prod. Miriyoma Mali. Maintenant, Navigator kata kata fe. Abaragi Jainess prod soto. Parce que birinare. Au navigatora, courtare nara, drogue nara, voilà, anam sende nan kui, amou sendere. Toto, au birin bara profite, au dans image, vim faire rafarafira. Ah ouais, le petit saint saint, hein? Le petit saint saint. Parce que, Mirino Maloudi, tu peux être une personne, tu gagnes de l'argent, tu évolues, tu gagnes tout, mais tu n'es pas saint. Les gens, ne te considère pas. Mais ils ont mis considéré avec toute ta recherche, les gens ne te considèrent pas. Si les gens, le minimum des gens qui te considéreront, ni femme n'est juste pour profiter de toi. Maintenant, Guinness Prod a récupéré Navigator en 2020. 2020, le Soumala, il a récupéré Navigator en 2020. Moi, je m'en ai choisi au moins français. Alors, il va la comprendre. Maintenant, Guinness Pro Tobarafa, Navigator, parce que Birimbara a abandonné, mais maison de production, Bokona Krigo, maison de production. Sa maison de production, il n'est pas Birinto Neki. J'ai vu Benedi Record là-bas. J'ai vu Meurs Libre Prod là-bas. Voilà, Benedi Record, c'est l'un des plus grosses structures guinéennes. Là-bas, j'ai vu Benedi Record là-bas. J'ai vu qui encore là-bas? Meurs Libre Prod. Donc, na explication Birimfife Moussema. J'explique tout ça là. Aura Kolon, Kaomoulam, à la base, Osigama, médecin après la mort, c'est juste pour des images, juste pour des futilités. Oya Moulang Obortagi, vous n'êtes pas d'accord entre vous. Vous n'êtes pas d'accord entre vous. La preuve en est que palpable. Si je mens, Mousto et Lévi Bobo ne se parlent pas. Mousto et Lévi Bobo ne se parlent pas pour la seule raison que tous les Guinéens connaissent déjà. Maintenant, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Aujourd'hui ou demain, l'un de ces deux personnes-là, Lévi Bobo ou Mousto, l'un de ces deux personnes-là arrive à mourir. Si on voit Mousto pour aller dire ses condoléances à la famille de Lévi Bobo, c'est aller faire de l'hypocrisie. Si on voit Lévi Bobo pour aller dire ses condoléances à la famille de Mousto, c'est aller faire des hypocrisies. Parce que wofé birin kolon wara kelimanama. Wofé birin kolon wara kelimanama. Maintenant, Navigator, c'est Guinness Prod qu'il a récupéré en 2020. Après, ils ont fait Ninja Man. Jusqu'à ce que
Quand Navigator a eu Jaynes Prod, un Souma, quelqu'un qui vient de rentrer dans le milieu de showbiz guinéen, c'est-à-dire quelqu'un qui a pris, le Souma qui a pris Navigator pour le produire, c'est un nouveau visage dans le milieu du showbiz guinéen. Mélénène Enara. Est-ce que vous comprenez? Alors que tous les cadors qui sont partis faire leurs condoléances, faire des vidéos, aller à la morgue, faire tous ces lives-là, tous ces cadors, hein, des labels en Guinée, savaient que Navigator, Abraham Makolé, alias Navigator, est un talent hors pair. Mais personne ne l'a aidé. Personne ne l'a épaulé. Personne. Miyoma Mali. Personne ne l'a aidé. Navigator, il a galéré pendant des années. La preuve en est que Navigator n'avait pas de voiture. Il n'avait pas de voiture. On a tous vu qu'il est mort sur la moto. Et le jour qu'il a eu sur... C'est-à-dire, il a eu la moto là aussi. C'est quand le Souma là l'a pris. Du Souma ta tongori. Donc, Oba, hypocrisie, yara pafi. Du Souma ta tongori. C'est récemment là qu'il vient d'avoir la moto là. Parce que moi, je suis, j'écoute, quand je regarde des choses, j'écoute du début jusqu'à la fin. Sa maman a dit, le jour qu'il a eu la moto, il est parti sur la moto voir sa maman à Forêt-Caria. Sa maman lui a dit, hey, Abraham, pardon, tu ne maîtrises pas la moto là, arrête de marcher sur la moto. Imaginez, tous les cadors aujourd'hui, les labels, les Meurs Libres Prod, les Benedi Records, même Takana, même Fishki là, à moins Naïra. Oui, à moins Naïra, à un Navigator produit, un Navigator Mossoir. Même Fishki là, il a ce moins là. Parce que je vois les Fishki là qui mettent leur voiture de quoi là, comment on appelle, les Dodge, qui mettent des trucs de bling bling. Je vois les Linsako qui mettent des trucs de bling bling. Je vois les Mousto qui mettent des trucs de bling bling. Je vois qui encore qui mettent des trucs. En tout cas, tous les artistes qui sont partis pour rendre leurs condoléances là, qui sont partis pour montrer leur soutien à la famille de Navigator là, hein, au Bling, à Dondoron Tinawoy. Vous avez tous des voitures, vous êtes tous bien logés. Maintenant, en ce temps de galère, le temps de galère que Navigator passait à Conakry, avant que Jaynes Prod le récupère, au nom à épauler Denalerinou, au nom à Mali Denalerinou, mais aujourd'hui, vous pouvez l'aider que lui, il gâte de lui-même. Après, on allait dire que, ah, Benedi Record avait pris Navigator sous son aile, mais Navigator avait gâté. Il avait fait ceci, il avait fait cela. Ou on allait dire que, ah, Meurs Libres Prod avait pris Navigator. Il avait fait ceci, il avait fait cela. Mais c'était pas de la faute de Meurs Libres Prod, c'est Navigator qui avait fait. Où on allait dire Fishki là avait aidé Navigator, il marchait, il voulait produire Navigator, aider Navigator, il amenait Navigator dans son studio. Mais aujourd'hui, quel est le Guinéen qui va dire qu'il a vu ça? Personne. On vous a tous vu comme ça, tel que vous l'avez connu, que c'était l'un de vous. Vous êtes tous partis. Présentez vos condoléances, c'est normal. C'est normal, il n'y a pas de problème. Maintenant, ce que je vous dis, et je vous redis, à ce Wotuli, à Te Wotenga Dorona, je n'ai rien contre vous. Les artistes guinéens, arrêtez de faire semblant. Vous n'êtes pas d'accord entre vous. Vous ne vous aimez pas entre vous. Hein? Tout ce que vous faites là, tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est juste des images. Des images pour que la population, pour que les fans disent que, ah, lui, il a fait ceci, il a fait cela. La preuve en est que Navigator, ça fait seulement une semaine qu'il est mort. Maintenant,
Il y a une semaine qu'il est mort là. Wontambiri, wonakolum, wonarambiri nabafeto. Tout ce qu'on est, tout ce que nous sommes en train de faire. Tout ce que nous sommes en train de faire. Janes Prod, bravo. Navigator Far, Wotananga, Nini Bumma. Le reste là, Wofam, bravo. Mais aura kolum. Hypocrisie, ou bien faire semblant. Aura nouveau boro tonnerre, aura nouveau boro guérilla. Par exemple, il y a un exemple frappant qui est en train de se passer. Il y a un petit artiste aujourd'hui, guinéen, qui a créé son propre concept à lui, son propre concept. Et il est sorti sur TV5 gratuit. Il est sorti sur France 24 gratuit. C'est qui ça? King Détruit. King Détruit. King Détruit est dans les ghettos. Il est dans les ghettos. Il est en train de souffrir actuellement. King Détruit. L'année passée, en 2020, il devait faire son concert pour son album, pour son premier album. Mais à cause de Corona, il a un concert rejeté. Cette année aussi, il devait faire son concert. À cause de Corona, ils ont rejeté son concert. Maintenant, aujourd'hui, King Détruit aussi est en train de souffrir comme Navigator souffrait dans le ghetto. Même s'il y a fallu, ah, King Détruit, c'est un artiste comédien, ou bien c'est comme ci, c'est comme ça. Mais il a réussi à créer son propre style à lui. Son propre concept. Peignoir. Affaibli Nabam en peignoir. Il monte, il descend en peignoir. Il s'est rasé la crâne. Il est comme ça. Et on le dit guinéen. Il chante. C'est un artiste. King Détruit est en train de souffrir dans le ghetto. Lui seul, Mrioma Malifi, on ne voit pas les Benedi l'aider, on ne voit pas les Moussa Mbaye l'aider, on ne voit pas les Fiskila l'aider, on ne voit pas les Azaya l'aider, on ne voit pas les Mousto l'aider. Je ne connais même pas quelle est la maison de structure. En tout cas, c'est un petit truc de, une maison petite comme ça, là, de structure, qui est en train d'aider King Détruit. Mais vous tous là, les cadors de la musique guinéenne là, personne n'aide King Détruit. Mirioma Malife. Moule. Mirioma Malife. Astafollah, astafollah, astafollah. Demain, Mirinde va faire King Détruit. M'a souhaité matama parce que c'est un jeune. Il a du talent, il a de l'avenir. Il ne faut pas qu'on vous voit là-bas hein, pour dire que... Ah, c'est ce King Détruit, c'est rentré, sorti comme ça. Il faut aider les gens pendant que les gens ont besoin de vous. Il faut qu'on s'aime vivant. Il faut qu'on s'aime vivant. Si au moins Navigator était bien structuré, nous, Navigator était bien rapproché par ses codors, c'est gros de la musique guinéenne là. Au moins il allait avoir une petite voiture à lui. Même s'il allait mourir, c'était pas comme ça. Mais comme Dieu décide seulement, il écrit le destin de tout le monde. Est-ce que vous allez comprendre? Si Navigator était rapproché des labels Mère Libre Prod, des Benedict Record, des Fishkila, des Azaya, les Mousto Kamara, ou Oto Inawoya, Gbegbe, Guinée Oto Fima Oma, Mele Oto Fima Oma, vous allez prendre vos petites voitures là, le restant de vos voitures là, vous prenez. Vous donnez à Navigator. King Détruit aujourd'hui, il n'a pas de voiture. King Détruit, il n'a pas de voiture. Hein. Approchez King Détruit. Aidez-le. Faites-lui plaisir. Et puis surtout, aidez vos petits artistes là. Ne vous mettez pas en tête que quand vous allez les aider, ils vont vous dépasser. Dans la vie, chacun n'aura que ce que Dieu a écrit pour lui. Chacun n'aura que ce que Dieu a écrit sur lui. Ça, c'est clair et net. Avant que vous ne soyez là aujourd'hui, on avait nos grands artistes qui étaient là, nos papas, les Ibro Gabaté, qui étaient là, qui avaient du succès. Les Yaya Bangoura, aujourd'hui ils sont où? Yaya Bangoura, il est malade, il est en train de se soigner aux États-Unis. Qu'Allah lui donne la paix et la santé. Ibro Gabaté, il est où aujourd'hui? Il est malade, il est chez lui. Qu'Allah lui donne la santé. Mamadi Doudou Dada, il est où aujourd'hui? Il est mort. Qu'Allah ait pitié de son âme. Kerfala Kante, il est où aujourd'hui? Il est mort. Qu'Allah lui donne
son paradis éternel. Ainsi de suite, nos grands artistes de la musique pastorale, là, hein, comment on appelle mon artiste là, Fulbert, comment on appelle Petit Hiero, il est où aujourd'hui? Oui, ça veut dire que le succès, c'est juste un petit temps. Ofanga époque to fariki. Gidume woye dans Malima. E fangri sa kolo obe lorondi. A fala ner a azaya nan mali. A fala a Moussa nan mali. A fala a Benedi nan mali. A fala Mousto nan mali. Fishkila nan mali. Ana fala. Mais si vous refusez d'aider vos petits gamins là, jusqu'à ce qu'ils meurent dans le ghetto maintenant, après vous allez partir là-bas pour avoir des images. Vous partez là-bas pour avoir des images. Nous qui sommes conscients là, nous qui sommes intelligents là, on vous dira que c'est juste du vent. On a été fait foyer dans moi, on a fait foyer dans moi. La preuve en est que, on a dit, Mousto nous lève, Mouemba. Lévi est parti parce que à Kolo Mousto dans Meni, à Bourou d'un Kirara, faut Mousto to quel est le nom, Lévi. Et Mousto ne se parle pas. Le ministère de la culture guinéenne n'a envoyé aucune délégation là-bas. Kevin Tchenef, navigateur Safara, le gouvernement guinéen n'a donné que 15 millions de francs guinéens. J'ai honte de dire ça. Mouna Falaman Soussoui, parce que d'autres pays vont regarder. Le gouvernement guinéen, le Guinéen gouvernement, 15 millions d'amphires, navigateur Safara. Le Guinée gouvernement, 15 millions. 15 millions. Maintenant, dans tout ça, là, on va faire question d'énormément. Je vais vous poser cette question. Vous allez me répondre dans les commentaires. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Peut-être que quelques-uns parmi vous aussi ont remarqué ce petit truc. Je veux savoir ça. On a tous vu que Navigator est mort, car paix à son âme, qu'Allah lui accorde son paradis. Après, on passe sur l'autre étape. Après cette étape-là, je vous donne la parole. Cette question, c'est quoi? Les obsèques de Navigator se sont faites à Forcaria, chez sa maman. Maintenant, je veux savoir, le papa de Navigator, il est vivant ou bien il est mort? Je ne sais pas. Si quelqu'un connaît cette réponse-là, le papa de Navigator, parce que on dit toujours Abraham Makolé, le papa de Navigator, il est vivant ou bien il est mort? Si quelqu'un qui est dans le live ici connaît ça. Parce que depuis que moi, je suis en train de suivre, je n'ai jamais vu le papa de Navigator. Je sais qu'il vit. Je sais qu'il vit. Ababa Viva Fanya, je sais. Personne n'a vu le papa de Navigator. Personne. Ou les frères de Navigator, c'est-à-dire ses frères paternels. Et si on nous dit que l'affaire de religion là, si on ne fait pas attention, ça va nous causer d'énormes problèmes. D'énormes problèmes. Oui. On a vu ici, les obsèques de Navigator se sont faits à Forcaria, chez sa maman. Et aujourd'hui, son sacrifice est fait à Forcaria. Mais jusqu'à présent, on n'a pas vu le papa. Personne n'a vu le papa. Ni ses frères paternels. Personne ne vous a vu. Pourquoi? Parce que dans la vidéo de Navigator, lui-même, paix à son âme, je l'ai suivi, il a dit que son papa est fâché contre lui parce qu'il s'est baptisé. C'est-à-dire, il a pris la religion de sa maman. Est-ce que vous avez compris la partie?
Navigator lui-même, Abraham m'a collé. Abraham m'a collé a dit lui-même, je peux vous sortir la vidéo, je mets la vidéo, que son papa est fâché contre lui, son papa est fâché contre lui parce que c'était un chrétien. On sait tous que les Makolé, c'est des chrétiens. Il a dit que son papa était fâché contre lui parce que Navigator, il a pris la religion de sa maman. C'est-à-dire, il est devenu musulman. Et il a même dit dans sa vidéo qu'il y a un de ses grands frères qui est, je sais pas, prêtre. Prêtre. Attendez, je vais vous faire sortir la vidéo. Vous allez écouter vous-même. Attendez. Parce que il faut pas qu'on parle dans le vide. La vidéo dans laquelle que Navigator demande pardon, c'est là-bas qu'il a dit. Donc, moi, si je vais dire un mot aux parents paternels de Navigator, si Abraham s'est converti, si Abraham s'est converti dans l'islam, quelle que soit votre colère envers lui, il est mort, c'est fini. Il est mort. Comme il est mort là, il est makolé. Là où il est dans la tombe là, il est makolé, il reste makolé. Même s'il s'est converti à l'islam, il reste makolé. C'est la vidéo là. Attendez, je vais avancer. Maintenant, le papa ou les frères de Navigator, ces frères paternels là, eux, ils pensent que nous, on va pas remarquer ça. On n'a pas vu le frère prêtre là qui a parlé sur la mort de son frère. On n'a pas vu aucun frère paternel de Abraham Makolé. Les Makolé, où vous êtes? Les Makolé, où vous êtes? En tout cas, on a vu que les Yanzané, la maman, côté Yanzané, où vous êtes? Dans la vidéo là, ce n'est même pas la peine que je mets la vidéo parce que... Mais c'est parce que vous savez que réellement que je peux faire, si je suis makolé, si je suis de ton sang, je dois sortir chercher pour moi, venir à la maison, être exemplaire, un bandit et un voleur fondé. Quelqu'un m'appelle sur WhatsApp là. D'accord, attendez, vous allez intervenir. En tout cas, tout le monde a vu la vidéo. C'est même pas la peine que je remets pour vous, parce que la vidéo circule depuis des mois.